C'est parti. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission qu'on démarre sur la chaîne YouTube de Vers de Terre Production. On a appelé ça Canal Sol Vivant. Donc, l'idée, c'est que le petit sous-titre, c'est l'émission qui stocke du carbone et produit de la biodiversité, mais c'est aussi une émission pour que les agriculteurs parlent aux agriculteurs et on puisse échanger, débattre sur toutes les nouvelles de l'agroécologie, parce que c'est un monde qui bouge énormément, qui bouge dans les territoires. Et ce rendez-vous, on le veut aussi tous les 15 jours pour faire le point sur les pratiques et plus largement pour avoir des retours du terrain, de savoir ce qui se passe au plus près des champs et de l'évolution des pratiques, voilà, des retours de formation, des belles initiatives qui peuvent avoir lieu. Du coup, l'idée, c'est de se retrouver, voilà, comme je disais, tous les 15 jours. Et on inaugure aussi ce soir cette émission avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les arbres. Et on va parler plus précisément d'agroforesterie. Alors, je sais qu'on a l'habitude de dire, voilà, l'arbre, il fait tout avec rien. Mais il structure nos paysages. C'est le grand architecte de la fertilité, de la fécondité, de la biodiversité des espaces agricoles, ou pas, d'ailleurs. Et bien sûr, il a de multiples impacts positifs sur le climat et notamment sur cette question du carbone qui est tous les jours dans la bouche de nos dirigeants. Et puis, c'est une question de société importante. Et nous parlerons aussi d'une mesure du plan de relance, la mesure Plantons des haies, qui a voilà, le but de planter à la fois des arbres intra-parcellaires dans le monde agricole pour réarborer nos campagnes. Et nous allons discuter de ces sujets avec nos invités du soir que je vais présenter. Malheureusement, le ministre ne sera pas avec nous ce soir pour des raisons d'agenda de dernière minute, mais il a promis d'être là sur une de nos prochaines émissions. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions en ligne sur le chat du YouTube. Et même les questions au ministre qu'on lui transmettra, et il nous a promis des réponses. Alors, nos invités du soir, donc, on a Sylvie Monnier. Bonsoir Sylvie. Vous êtes directrice de la Bonsoir. mission EORA et vice-présidente de l'association française Arbres champêtres et agroforesterie, l'AFAC, hein, et également présidente du Fonds pour l'arbre. Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Nous accueillons aussi depuis la Seine-et-Marne Cédric Pétillat, donc agriculteur et céréalier. Donc, je crois que vous êtes aussi lauréat de la mesure Plantons des haies. Bonsoir à tous. Oui, j'ai donc mon projet agroforesterie a suscité apparemment l'intérêt de la région Île-de-France et du ministère. Eh ben, vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure parce qu'on vous donnera la parole pour présenter votre projet. Nous sommes avec Bertrand Manterola. Donc, vous êtes DRAF adjoint d'Île-de-France. Du coup, vous participez à justement sélectionner ces projets lauréats de Plantons des haies. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Et J'en enfin, dirai un petit peu plus sur la mesure tout à l'heure. avec plaisir. Et enfin, en attendant peut-être Sandrine Farrugia et Liane Darros, notre couple de vignerons agroforestiers des côtes du Marmandais. Donc, j'accueille notre dernier invité, Alain Canet. Bonsoir, agroforestier et directeur d'Arbres et Paysages 32, planteur d'arbres depuis quelques décennies maintenant. Bonsoir Alain. Du coup, pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être Bertrand, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est quand même une bonne nouvelle. Bonsoir, oui, je suis depuis peu aussi le président du Carbone. Très bien. Du coup, peut-être pour commencer, Bertrand, est-ce que bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'agroécologie que cette mesure Plantons des haies. Est-ce que vous pouvez nous dire
rapidement, comment c'est né au sein du gouvernement et du ministère de pousser ce sujet de l'arbre champêtre, de l'arbre agricole, ce retour de l'arbre agricole. Bonjour, bonjour à tous, merci. Je vais essayer de vous donner quelques éléments. Alors, moi, je vais surtout vous parler du plan de relance, donc le plan de relance qui a été porté par le gouvernement et notamment son volet agricole. Alors, dans le cadre de son volet agricole, il y a plusieurs priorités, dont une qui est d'accélérer la transition agroécologique. Et dans ce volet-là, on retrouve une mesure qui est donc la plantation d'arbres et de haies, qui est, alors dans le jargon, la mesure 5 du plan de relance, avec deux objectifs principaux. Le premier, effectivement, c'est de soutenir la plantation et la reconstitution de haies bocagères et de favoriser le développement de l'agroforesterie intraparcellaire par le biais d'aides que je décrirai un petit peu plus tard, qui sont très incitatives et qui visent à atteindre des objectifs très ambitieux, notamment si on parle à l'échelle nationale, de 7000 km de haies plantées d'ici 2022, avec un budget qui est consacré de 50 millions d'euros. C'est pas seulement soutenir cette plantation, mais c'est aussi convaincre de planter des arbres, comme vous le disiez, convaincre de revenir à l'utilisation de l'arbre. C'est convaincre des agriculteurs, c'est aussi convaincre des collectivités territoriales de s'engager dans cette démarche. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette mesure, du plan de relance, on a aussi mis en place un volet d'animation qui consiste à accompagner techniquement les projets et aussi à jouer un rôle d'accompagnement maximal, clé en main, des porteurs de projets qui souhaiteraient s'engager pour planter des... C'est important aujourd'hui, puisqu'on le voit, les ont progressivement disparu à partir des années 60, et notamment des grandes phases de remembrement, et dans une région comme l'Île-de-France, qui est une région à tendance et à dominante céréalière, on a une dynamique de plantation de haies plutôt lente, on va dire, ces dernières années. Et aujourd'hui, avec cette mesure-là, on veut convaincre de l'intérêt de réutiliser l'arbre et de remettre la haie au sein des paysages. Et c'est pour ça que le plan de relance est là aujourd'hui et est fait pour ça. Donc, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Je vais laisser peut-être les autres intervenants présenter un petit peu plus concrètement ce que ça signifie, et notamment Cédric Pétilla qui, dans la région Île-de-France, s'est saisi de cette mesure et a déjà commencé à planter des arbres. Il pourra nous dire comment il s'est pris. Et moi, je compléterai après pour dire comment vous pouvez également vous investir dans cette mesure. Peut-être, Sylvie, est-ce que vous pouvez nous décrire, pour nous dire comment les territoires se sont mobilisés? Est-ce que ça a été un signal positif que cette mesure du plan de relance pour des structures comme la vôtre? Et puis, je donnerai la parole aussi à Alain derrière. Alors oui, ça a été très positif, dans le sens où nous, acteurs de terrain, on accompagne la plantation de haies avec les agriculteurs depuis très longtemps, hein, 1996 pour la mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, avec des soutiens de collectivités locales. Mais en fait, là, le fait que ce soit porté par le ministère de l'Agriculture, c'est une reconnaissance agricole de la haie et c'est une reconnaissance de la place de l'arbre dans les systèmes de production agricole. Et ça, c'est un signal fort pour les territoires. Ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pertinent de planter, c'est validé entre guillemets par le ministère de l'Agriculture. Donc, ce n'est pas forcément juste des haies à vocation naturaliste ou à vocation cynégétique, c'est bien des haies à vocation agricole. Et ça veut dire que tous les agriculteurs qui plantent, ils ont le soutien du gouvernement pour le faire et le gouvernement de l'agriculture, enfin, le ministère de l'Agriculture. Et ça, c'est un signal fort et pertinent pour les campagnes. Après, en termes d'organisation, écoutez, on a mis les acteurs de la haie autour de la table, département par département, donc on s'est réunis à plusieurs, donc les structures spécialisées comme nous, les têtes de réseau agricole, comme nos collègues des chambres d'agriculture, les têtes de réseau bio, CIVAM, les structures naturalistes aussi, les structures de chasse, donc tout ça, en fait, on s'est tous mis autour de la table, on a essayé de mobiliser les agriculteurs, faire connaître la mesure du plan de relance qui est effectivement très incitative, et ensuite, on a monté une organisation, une structuration de travail à plusieurs pour répondre un maximum d'agriculteurs et un maximum de linéaires. Alain, avec les arbres, d'une certaine manière, on prépare l'avenir dès maintenant. C'est quoi le message clé pour, entre guillemets, on parlait de convaincre les agriculteurs de replanter. C'est quoi le message clé que vous diffusez, vous aussi, dans le sud-ouest et ailleurs? Le message, c'est effectivement de comprendre, de caractériser ces principes agroécologiques pour lesquels il y a eu quelques balbutiements, quelques essais, de démontrer que l'arbre, c'est
le premier ou le second pilier de l'agroécologie, donc un maillon important, un maillon, un outil de production extrêmement important, même si on ne sait de longue date, ça ne tombe pas toujours sous le signe de l'évidence, hein, et cet élan pourrait peut-être permettre un point de bascule. L'agroécologie, elle nous dit quoi ? Elle nous dit qu'on peut produire, protéger et prévenir. L'arbre comme outil de prévention, c'est juste génial. Hein, l'arbre taillé, géré, et Sylvie le sait bien, parce qu'elle pratique à grande échelle la restauration des arbres têtards, notamment. Hein, c'est aussi, je pense que ces initiatives concertées pourraient donner un élan nécessaire, je serais tenté de dire vital. Hein, on a des campagnes qui se dépeuplent, on a des gens qui partent, des territoires qui s'ouvrent toujours, donner un signal fort, hein, un peu de remettre les fondations. Hein, le bocage, c'est le centre de l'agroforesterie, bien évidemment. Aussi sur la régénération naturelle, hein, c'est-à-dire planter, laisser pousser et reprendre en charge les territoires. L'impulsion de la plantation nous donne aussi des volontés que de gérer l'existant, que de laisser pousser. On ne le dira jamais assez, la ronce, berceau du chêne. Donc voilà, on en discutait avec Bertrand qui reviendra sur le sujet. Les moyens de l'animation, je crois que c'est fondamental. D'être présent sur le terrain. Il y a encore des idées reçues, il y a encore quelques ajustements à faire, calibrer cette biomasse, cette biodiversité, cette entrée en paysage, etc. Donc voilà, il y a un élan qui nous est offert, clairement. Donc on va en profiter pour transformer l'essai, pour que l'arbre redevienne un pilier un peu central des modes de production, qui soit encore une fois protecteur et producteur. Il est urgent de finir de traduire ça et de ne pas voir l'arbre comme toujours celui qui casse le rétroviseur, le gyrophare. Ça fait beaucoup plus. Mais je crois que les paysans ici présents l'ont bien compris. Sylvie, est-ce que je pense que vous avez été beaucoup impliquée avec la FAC et le ministère de l'Agriculture pour créer la méthodologie pour encadrer cette mesure, la mesurer, la mettre en place, l'évaluer dans le temps. Comment ça s'est fait cette mobilisation techniquement, on va dire ? En fait, la mesure haie a été souhaitée par le ministère et décidée à partir de septembre de l'an dernier. Et à partir de septembre, ce qui a été souhaité, c'est que les organismes techniques comme la FAC puissent, à partir de retours d'expérience de toutes les structures de terrain, comme la mienne, comme celle d'Alain, comme des fédérations des chasseurs, des chambres d'agriculture, puissent faire remonter les vrais coûts. Ça coûte combien une haie ? Ça prend combien de temps pour planter et pour finalement aboutir à une mesure haie qui soit pratique et facile à mettre en œuvre. Donc, on a été plutôt au service du ministère pour dire qu'est-ce qui fait qu'une haie va être réussie. L'idée, ce n'était pas juste de dire qu'il faut planter des haies. Il faut être sûr que dans 10 ans, les haies du plan de relance, elles aient de l'allure, elles soient belles et qu'on ait des agriculteurs qui soient contents de leur plantation. Donc, il fallait leur donner, c'est ce qu'a dit Alain tout à l'heure, un appui technique de qualité. Nous, ça fait 25 ans qu'on plante des haies avec des agriculteurs, on s'est raté, on a raté des plantations, on en a réussi d'autres, on a compris dans le temps comment bien accompagner les agriculteurs pour que ça réussisse. Donc, accompagnement technique obligatoire, ça a été dans les choix qui a été bien entendu par le ministère. Et puis ensuite, on a dit, il faut faire simple. S'il faut faire 4 devis, on ne va pas y arriver. S'il faut faire 4 devis auprès de 4 pépinières, on ne va pas y arriver. S'il faut faire 4 devis de travail du sol, on ne va pas y arriver. Donc du coup, l'idée d'un barème forfaitaire basé sur l'ensemble des données de terrain au niveau national est émergée. Et du coup, on a une aide simple. Vous plantez tant de mètres de haies, vous allez mettre en place telles actions, et ben vous allez toucher tant. Que vous fassiez des devis ou pas des devis, que vous louiez le tractopelle ou la charrue pour préparer la plantation, que vous mettiez des protections ou pas de protection, ben ça fera tant. Donc, du coup, c'est une aide simple. Et du coup, voilà, ça, c'était un travail efficace avec le ministère pour des choses applicables et simples à mettre en œuvre pour nous, pour les agriculteurs, mais aussi pour les DRAF et directions départementales des territoires qui auront des dossiers relativement simples à instruire aussi. Et pareil, on a dit, ça s'entretient dans le temps et du coup, il y a 3 ans de suivi de plantation et ça, c'est vraiment nouveau. La plupart des financeurs financent la plantation, puis après, on s'en va. La suite, ce n'est pas grave. Là, pendant 3 ans, il y a de l'argent en plus pour payer du regarni, regarnir le paillage, accompagner sa haie, mettre les premiers coups de sécateur, plus un conseil technique parce que du coup, nous, on va retourner voir l'agriculteur chaque année. Alors, c'est un peu un contrôle, mais c'est aussi, là, il y a une erreur, là, tu as eu des dégâts de sanglier, là, il y a le chevreuil qui est passé, comment rattraper ça? Donc, du coup, voilà, ça, c'est tout un protocole qui a été mis en place qui permettrait normalement, on l'espère, d'avoir 100% de haies réussies dans 3 ans. Et voilà, c'est l'objectif, en tout cas, avec cette aide simple et efficace.
Du coup, une belle haie réussie dans 20 ans, c'est autant de tonnes de carbone stockées grâce à l'action de la photosynthèse. Et du coup, Alain, je te redonne la parole, du coup, là, plutôt en tant que président de Carbone Fertile. Cette question du carbone, on ne la voit pas forcément, mais c'est essentiel pour préparer le monde de demain, un monde respirable avec des microclimats dans les campagnes, dans les territoires pour atténuer ces chocs climatiques aussi. C'est ça aussi l'intérêt de l'arbre. Ouais, je crois qu'on est des planteurs d'arbres, on est des agroforestiers, on est des agronomes, on est des aménageurs, on est des paysans, on est des botanistes, on est un petit peu tout ça, et au service d'eux. Hein, nos structures sont vraiment au service d'eux, créées par les agriculteurs en règle générale, hein, pour la plupart. Du coup, cette entrée en agronomie et l'agroécologie telle qu'elle est structurée et étayée est sans faille. Hein. Le carbone, c'est la clé de voûte de toutes les fécondités, toutes les fertilités. Je crois que c'est un mot que tu as utilisé. Hein. Et la clé de voûte, ça veut dire que le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, du phosphore, mais aussi la quantité de biodiversité dépendent de cette quantité-là. Donc, on a bien une agriculture qui est aujourd'hui à 95% des stocks du carbone, hein, par les sols nus, par le travail du sol, par le manque d'arbres. 95% de nos agricultures des stocks du carbone, elles sont grosses, elles sont petites, elles sont bio, elles sont de gauche, elles sont de droite. Elles sont en céréales, elles sont en grande culture, parfois même en élevage. On a beaucoup de problèmes avec des prairies surpâturées. Donc, et puis, on a un modèle exemplaire de quelques pourcents d'agriculteurs qui ont inversé la courbe, inversé la tendance et qui, par des pratiques de pâturage tournant dynamique, des pratiques de couverts végétaux, de double culture, d'interculture, et évidemment, ces pratiques agroforestières au sens large, bien évidemment, hein, ont inversé la tendance. Donc, on a bien une agriculture qui capitalise au service de la société, et qui va au-delà des différentes chapelles et qui met des indicateurs de résultats. Donc, à Carbone Fertile, on a précisé des objectifs et des enjeux. Est-ce que je capitalise du carbone? Dans quelles conditions? À quel moment? Ça veut dire aussi permettre, parce qu'il y a des émissions incompressibles. Là, tout de suite, je suis à Saint-Émilion, dans les vignes. Quand on fabrique une bouteille, il faut de l'énergie. Il ne faut pas dire le contraire. Hein, donc, mais est-ce que le verrier, et c'est un appel, est-ce que le verrier n'est pas en mesure de compenser ses émissions directement auprès des vignerons pour les aider, pour la suite, à passer à ces techniques agroécologiques de couverture, peut-être un semoir complémentaire, des couverts végétaux à semer directement après la vendange, et puis la plantation de ces arbres complémentaires qui viendront dans les années à venir. Et donc, du coup, ben, ça veut dire un bénéfice agronomique avant tout, hein, mais un bénéfice économique, moins d'intrants, moins de force motrice, moins de consommation de carburant, un bénéfice écologique. Donc, on parle de triple performance, hein, avec nos amis de ces organisations-là, et de montrer que l'agriculture, et beaucoup le savent, aujourd'hui, on est capable de montrer, démontrer que l'agriculture est une solution immense. On va parler d'Île-de-France avec Cédric, avec Bertrand. Il y a un potentiel qui est considérable, puisqu'aujourd'hui, l'indicateur de résultat montre qu'on peut multiplier facilement par 3 la quantité de photosynthèse au bénéfice des écosystèmes. Et on n'insistera jamais assez, hein, d'être capable de manger des produits de l'agroécologie. Et qui plus est, s'ils sont bio, tant mieux. Mais de manger des produits de l'agroécologie, c'est une façon de sauver la planète, sauver notre peau et de réconcilier. C'est pour ça que c'est intéressant, ce plan de relance, le champ sociétal, hein, sujet de société, l'agriculture qui est aidée pour stocker du carbone, outil de production de premier ordre, hein, parce que si elle décapitalise, bon, on voit un peu le foutoir, il n'y a pas d'autre mot qu'on va retrouver dans la PAC, hein, il faudra faire une vraie PAC. Une vraie PAC, c'est une politique agricole du carbone, et je pense que ces mesures vont y participer largement. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on aille dans les champs, voilà, pour la théorie, les idées, la politique d'une certaine manière, la pratique. Donc, on a la chance d'être avec Cédric Pétilla aujourd'hui. Donc, vous êtes en Seine-et-Marne, céréalier, grande culture. Ben, peut-être déjà pour que tout le monde vous connaisse, tous nos auditeurs et nos spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre ferme? Bah, c'est une ferme grande culture que j'ai mis en conversion en agriculture biologique depuis avril 2019 sur 290 hectares. Donc, classique, avec un peu d'irrigation pour le maïs et anciennement des betteraves. Pour l'instant, avec le bio, j'ai mis les betteraves de côté.
Et je me fais la main au niveau de la culture bio et il y a pas mal de choses à faire et à apprendre. Et c'est un défi intéressant. C'est pas un nouveau métier, mais c'est vraiment une nouvelle spécialité et c'est loin d'être inintéressant. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a. Vous avez lancé votre projet agroforestier. Peut-être vous allez nous dire depuis quand. Et surtout, nous dire quel a été ce déclic pour passer à l'action. Le déclic, c'est un petit peu la même histoire que le bio. Hein. C'est pour retrouver de la résilience sur mon exploitation. Après, c'est quand on cherche à se former un peu sur le bio, on regarde beaucoup de formations, on s'intéresse à beaucoup de choses et puis on tombe sur des chaînes YouTube ou sur des vers de terre production, par exemple, où il est parlé, on voit que ça parle d'agroforesterie. Et puis, bon, comme j'avais déjà un petit peu une sensibilité particulière au niveau des arbres, ça m'a un petit peu plus interpellé l'oreille. Et puis, je m'y suis intéressé. J'ai découvert avec l'INRA, Restinclière, toutes ces choses-là, tous les bienfaits que pouvait apporter l'arbre, la culture et qu'il n'était peut-être pas trop tard pour faire marche arrière pour certaines choses. Et donc là, comment vous organisez votre plan d'implantation agroforestier ? Est-ce que c'est des arbres intraparcellaires ? Combien il y a de pieds ? Là, mon implantation, elle est sur une parcelle de 33 hectares qui a un beau linéaire quand même. Hein, il y a 1 km de linéaire. Donc, je fais ça fait 6,5 km de linéaire intraparcellaire et 1 km de haies qui fait 1000 arbres, grosso modo, de chaque côté. En tout, il y a 2000 arbres. 1000 arbres en intraparcellaire, un petit peu plus que 1000, 1100 et quelques, et 1000 arbres de haies avec 16 essences différentes dans l'intraparcellaire et 26 essences différentes pour la haie. Et du coup, vous disiez, pour gagner en résilience, c'était quoi les problèmes que vous voulez, entre guillemets, régler Moi, je suis dans une région qui est très séchante, sur un plateau assez venteux. Donc l'arbre, je compte sur l'arbre pour m'apporter la protection au niveau éolien, pour absorber un peu les chocs climatiques. Alors, c'est sûr que là, pour l'instant, c'est des petits arbres hein, qui font entre 30 et 60 cm. Donc, il va falloir quelques années ou quelques dizaines d'années pour avoir la quinquessence de la chose. Mais je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis, profiter des aides aussi qui sont là, il ne faut pas se leurrer. Ça permet de se lancer et puis de voir sereinement l'avenir et puis de laisser aussi une trace derrière soi qui paraît plus saine. Et puis il y a tellement d'intérêt qui me semble au niveau de replanter des arbres. C'est sûr que des haies qui sont entrecroisées dans les parcelles qui peuvent être handicapantes pour le travail. Là, en l'occurrence, les bandes d'arbres sont tous les 38 mètres. Donc, qui permet quand même le passage des engins. Il y aura assurément des contraintes hein, quand il y a des tempêtes, peut-être des branches tomberont, des choses comme ça. Il y a l'entretien qui se fera, je pense, principalement l'hiver, donc qui est une période creuse. Donc, ça devrait être surmontable. Et puis il y a l'aspect visuel, il y a de revoir les arbres, il y a le carbone que ça apporte au sol, il y a la biodiversité que ça apporte. Les bandes enherbées, j'ai des bandes enherbées de 2 mètres sur mes linéaires d'arbres, sur lesquelles j'ai mis du trèfle, et puis il y a aussi les flores, la flore autochtone qui reprend le dessus, donc du coquelicot, du bleuet. Voilà, tout ça, ça fait des bandes enherbées mellifères. Je pense que ça abrite les auxiliaires aussi, donc avec le bio, ça doit avoir du sens. Il y a une gestion aussi à avoir de la bande enherbée. Bon, éviter l'envahissement des chardons, des rumex, des choses comme ça. Bon, là, après, je n'ai pas encore assez de recul. Hein. C'est la première année. Je vous dirai ça dans quelques temps.
On refera le point dans 2 ans, peut-être au même endroit. Pas de souci. J'en profite pour saluer Eliane Darros qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, on vous donnera la parole dans une dizaine de minutes pour du coup un deuxième retour d'expérience sur l'agroforesterie. Peut-être pour continuer avec vous, comment ça s'est passé? Quel accompagnement vous avez eu, Cédric, pour vous lancer dans ce à quelle porte vous êtes allé taper, auprès de quelle association pour vous accompagner, mettre en place le plan d'organisation de vos parcelles, le choix des essences, et puis pour postuler à la mesure Plantondé, comment ça s'est fait? Je me suis fait accompagner par l'association Agrofil, hein, Agroforesterie de France. Il y a en Île-de-France, on a la chance d'avoir ça, donc qui m'ont bien accompagné, qui ont fait les plans, avec qui on a raisonné les essences qu'on voulait voir. Donc moi, je partais du principe que je voulais des légumineuses, je voulais des arbres à racines pivots, et puis je voulais une floraison étalée tout au long un petit peu de l'année. Donc on est parti sur ce cahier des charges là un petit peu, et puis ensemble, on a monté le projet, mais tout ce qui est la partie plan, au moins, ce n'est pas moi qui ai eu à le faire. Et ils ont fait les commandes auprès des pépinières. Ils ont trouvé l'entreprise d'aménagement. Et puis après, à moi de faire un peu la maintenance et autour du projet. Sylvie, qu'est-ce que ça vous évoque, un témoignage comme ça? J'imagine que vous accompagnez aussi de... Alors, ce n'est pas dans les mêmes contextes pédoclimatiques, mais peut-être... Vous avez des expériences un peu similaires, et puis peut-être nous décrire aussi le pas à pas, comment on met en place ce type de projet. C'est vrai que c'est une bonne question, parce que le conseil, c'est quelque chose d'important. Et le conseil, c'est bien mettre l'arbre en synergie avec son système de production. Donc, c'est effectivement sur le terrain que ça se fait. C'est en regardant la parcelle et discutant avec l'agriculteur qu'on doit prendre en compte plein de choses. C'est quoi aujourd'hui les facteurs limitants de la production? Cédric l'a dit, problématique du vent, secteur séchant. Ça, c'est une problématique. Je peux avoir de l'excès d'eau, je peux avoir du froid hivernal, je peux avoir du froid par gelée blanche ou par gelée noire. Je peux avoir des problèmes aussi plutôt de ravageurs de plus en plus fréquentes. Donc, en gros, quels sont aujourd'hui, pour l'agriculteur, sur cette parcelle-là, les facteurs limitants de sa production? Quelle est sa rotation? Qu'est-ce qu'il met comme culture sur... Oula, il y a des mouches. Quelle est la culture qui arrive sur la succession de cultures? Parce que selon que j'ai du maïs ou des céréales ou de la betterave, la sensibilité à l'ombre, l'impact de l'arbre peut être plus ou moins négatif selon les cultures. Donc, selon la rotation, on va aussi regarder ça. Quel est mon voisinage? Si c'est planter une haie pour me protéger, mais mettre le voisin à l'ombre et d'amener des ennuis, ça va se discuter. Où sont les drains? Dans quel sens ils traversent? Et puis après, nous, on commence à avoir l'habitude. Du coup, on l'amène à dire, ah ben ici, chez toi, c'est le nord-est qui est marqué. Si c'est le nord-est qui est marqué, on va travailler vent de nord-est. Ensuite, on va regarder l'impact des haies. Souvent, on commence par la problématique du vent. 95% des demandes, c'est la problématique du vent. Le vent dessèche les végétaux, impacte les rendements, ne permet pas d'optimiser l'eau. De plus en plus, l'eau d'irrigation pose problème. Donc, du coup, optimiser l'eau, c'est important. Donc, on va souvent travailler ça. Et puis ensuite, en intra-parcellaire, effectivement, comment redécouper la parcelle? Alors, en bio, souvent, il y a des rotations plus importantes. Donc, on a déjà la parcelle de 33 hectares qui est redivisée en morceaux, sous-morceaux. Bien regarder ça, je redis le drainage, etc. Et puis, à partir de ça, eh bien, on dessine des haies, des alignements d'arbres. Et puis, derrière, il y a une vocation, un objectif. Là, le plan de relance finance. Mais il faut se dire que dans beaucoup d'endroits, les agriculteurs, ils payent eux-mêmes leurs arbres et ils plantent eux-mêmes sans forcément d'aide, parce qu'à cet endroit-là, la haie, le temps de travail et l'argent qui est investi, naturellement, sur le long terme, ils vont le récupérer. Donc, c'est un investissement rentable. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais on est bien sur l'arbre en synergie avec son système de production. Et je n'ai pas la même approche, que je sois
chez Cédric en grande culture, avec un éleveur où on va travailler bien-être animal, avec des viticulteurs, avec des arboriculteurs, que je sois dans le sud de la Drôme ou dans la plaine céréalière comme chez Cédric, c'est, de nouveau les approches vont être différentes. Donc ça, c'est vraiment très fin. Mais l'agriculteur doit nous aider à décoder son système pour qu'on apporte l'arbre au bon endroit. Et après, ils ont leur propre sensibilité. J'aime les abeilles, je veux du paysage, je veux un cadre de vie diversifié. Et là, dans le choix des essences, on peut apporter quelque chose en plus. Bertrand, peut-être votre retour, parce que c'est, donc Cédric est lauréat de la mesure Plantons des haies. Du coup, ça s'est passé comment, vous, de votre côté, cet accompagnement de projet ? Alors, nous, à la DRIAF et dans les services de l'État, on ne fait pas de l'accompagnement de projet. C'est, je crois que Alain l'a rappelé, et ça a été dit à plusieurs reprises, y compris par Sylvie Monnier. Le volet animation conseil est déterminant. Et donc, c'est quelque chose qui a bien été compris et bien intégré dans le plan de relance, puisqu'on a décidé de dédier une partie des crédits de ces 50 millions d'euros à l'animation. L'animation, elle consiste en plusieurs choses. D'abord, une animation collective, c'est-à-dire faire connaître cette mesure, ce dispositif, sensibiliser les agriculteurs à la plantation. C'est faire en gros de la promotion de la plantation de haies. C'est ce qu'on fait un petit peu ce soir, c'est-à-dire expliquer l'intérêt, le tenant, les aboutissants de planter des arbres, de planter des haies et de bien le faire pour que ça puisse être pérenne et que ça puisse jouer son rôle dans l'agro-système, dans l'écosystème. Mais l'accompagnement, il va au-delà. Il va aussi sur la partie diagnostic à la plantation, sur le montage du dossier. On le dit, c'est souvent compliqué. Alors Sylvie Monnier a rappelé un des objectifs du plan de relance, être simple et efficace, pour qu'un maximum d'agriculteurs, de collectivités puissent se saisir de cette mesure, parce que c'est essentiel de ne pas avoir une complexité. Mais il y a aussi le suivi des travaux. J'ai vu dans les questions, des questions aussi sur les pépiniéristes et leur capacité à fournir des plans. Toutes ces questions-là, ça va dans l'accompagnement, ça va dans le conseil, et c'est quelque chose qui est essentiel à la réussite des projets qu'on peut avoir en Île-de-France ou en France plus largement. Donc c'est pour ça que dans une région comme la nôtre, on a carrément lancé un appel à projet dès le mois de février, pour permettre de recruter des structures qui vont s'engager à développer ces actions de promotion et d'accompagnement. Aujourd'hui, ces structures, elles sont recrutées. On va bientôt ouvrir des appels à projets permettant maintenant de planter les haies. Et donc, les structures qui ont été mandatées devront nous aider à accompagner les agriculteurs dans la démarche jusqu'à la plantation des haies, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau du suivi derrière, les orienter pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. C'est une des conditions essentielles à la réussite du projet, à la réussite des projets de manière générale. Du coup, vous recevez de la part des associations locales les projets, en fait, c'est ça, d'une certaine manière, pour dire en gros s'ils sont finançables ou pas. Enfin, c'est... Alors... Alors, je vais parler là pour l'Île-de-France, puisque c'est la région sur laquelle j'exerce, et ça peut être différent en fonction des régions, puisque cette mesure du plan de relance est territorialisée, c'est-à-dire que le gouvernement a laissé la main aux différentes régions pour qu'elles puissent bâtir dans un cadre général des mesures qui soient le plus adaptées au territoire. Donc, chez nous, on a décidé de s'appuyer sur deux dispositifs. Un dispositif qui est la mesure de plantation de haies, alors je vais parler technique un petit peu, mais c'est des dispositifs qui s'appuient sur le plan de développement rural régional, donc le PDR, et donc c'est un dispositif qui fonctionne habituellement et sur lequel on a amélioré les conditions pour que les haies puissent être plantées de manière un peu plus importante. Et puis on va aussi s'appuyer sur une autre mesure qui est la mesure 8.2 du PDR, qui est la mesure relative au système agroforestier, donc c'est deux mesures indépendantes et qui fonctionnent un petit peu différemment. Donc, on a des taux d'aide, et ça aussi, c'est une avancée apportée par le plan de relance qui sont relativement conséquents. C'est-à-dire que cette mesure-là de plantation de haies existait jusqu'à présent, mais elle était limitée à 75% de l'investissement. Grâce au plan de relance, on va pouvoir aller jusqu'à 90% de l'investissement dans une région comme l'Île-de-France, sachant que l'investissement, il ne va pas s'arrêter à la fourniture des plants et à la plantation de haies. Il va aller jusqu'à des questions d'entretien, de protection des plants contre le gibier ou les animaux d'élevage. C'est relativement important d'accompagner là aussi dans la prise en charge de la plantation, de ne pas s'arrêter seulement à l'acte de planter, mais bien le travail du sol en amont, le choix du dispositif tel que l'a décrit Cédric Pétilla. Il a mûri son projet avant d'arriver à l'étape de plantation, et c'est important de prendre en charge l'intégralité de ces démarches-là à un niveau important,
Alors, chez nous, en Ile-de-France, c'est 90%. Il y a des régions où c'est un petit peu moins, il y a des régions où c'est un petit peu plus. C'est des choix qui ont été faits, là aussi, pour trouver le bon équilibre entre les budgets qu'on pouvait consacrer et l'optimisation du nombre de kilomètres de haies qu'on souhaitait planter. Chez nous, en Ile-de-France, on a pour ambition d'en planter 200 kilomètres. Pour vous donner une petite idée de comparaison, genre, sur la période précédente, c'est-à-dire 2014-2020, on a planté en Ile-de-France 20 kilomètres de haies. Donc, vous voyez, quand Alain Canet disait « oui, il y a du potentiel », effectivement, il y a du potentiel, mais il va falloir aller le chercher. Et c'est vraiment l'objectif de ce plan de relance, d'aller le chercher et de mettre des structures sur le terrain pour qu'elles accompagnent les agriculteurs et qu'elles leur expliquent tout ce qu'on vient de dire ce soir, c'est-à-dire tout l'intérêt d'aller mettre des haies dans les champs et tout ce que ça peut produire en matière de bienfaits pour aller dans une transition agroécologique qui est souhaitée par tous et qui est nécessaire aujourd'hui. Eh ben, sans transition, nous allons aller dans les vignes avec Eliane Darros pour avoir le bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Vous êtes sur les côtes du Marmandais, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre vignoble et déjà pour nous dire où vous êtes situé, dans quel climat et puis voilà et puis à quoi ça ressemble, la surface aussi. Donc, nous, on a un domaine viticole d'une vingtaine d'hectares dans le Marmandais. Donc, c'est à côté de la ville de Marmande, c'est entre Bordeaux et Agen, dans le sud-ouest. Donc, on est sur un paysage vallonné. Donc, c'est la vallée de la Garonne. Donc, moi, je suis installé depuis 1998. Je suis revenu au pays en 1998. C'est un petit vignoble, une petite AOC de 800 hectares, donc, qui est tout proche du vignoble bordelais. Donc on est en culture biologique depuis plus de 20 ans et biodynamique depuis 17 ou 18 ans aussi. Et le constat alarmant sur le vignoble aujourd'hui, c'est les amplitudes. Donc on a eu cette année un gros épisode de gel. Par chance, nous on est assez haut dans les coteaux, donc on n'a pas été touché. Et la chance surtout, c'est qu'on est entouré encore de bois. On a des paysages variés. Tous les hauts des coteaux sont encore boisés. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir cela. Et j'ai des parcelles gélives également que j'ai protégées avec des bougies. Donc, je me suis levé. Depuis l'année dernière, on se lève. On ne connaissait pas le gel jusqu'à présent dans nos régions. 91, il y a eu du gel. 56, vous voyez. Aujourd'hui, ça devient récurrent. 2017, 2019, on s'est levé, on a protégé. 2020, donc 10 nuits. Et un constat, plusieurs constats. Le premier, c'est que tous les vignobles qui étaient entourés de bois n'ont pas gelé. Ou les températures, on a des thermomètres, donc les températures étaient plutôt moins basses qu'ailleurs. Et sur une parcelle plutôt gélive, donc quand je me levais la nuit, j'ai des thermomètres et j'ai aussi un petit thermomètre laser qui est pour prendre une température assez rapidement. Donc sur le sol nu, j'étais à moins 4. Sur le sol enherbé, j'étais à moins 2. Et contre la haie sous le bois, j'étais à 0. Donc 4 degrés d'écart à 3 mètres d'intervalle et même altitude. Donc une évidence pour nous, c'est qu'il faut replanter des arbres, des haies et remettre tout ça en place, tout ce qui existait autrefois, tout ce que le remembrement a dans nos coins ici cassé et changé, les fossés, les haies. C'est un travail à refaire, à reconstituer qui est plutôt important pour lutter contre ces problèmes. Votre premier, vous avez replanté, j'imagine, dans vos parcelles de vignes. C'était quand c'est des haies qui étaient existantes. En fait, on a D'accord. certaines parcelles de vignes, quand on a planté, on a laissé les haies. Il y en a d'autres dont j'ai hérité ou qu'on a acheté par la suite, où là, c'est des parcellaires assez grands. Le seul coin où on a gelé, c'était sur un parcellaire assez grand où il n'y avait pas ou très peu d'arbres. Le deuxième problème climatique aujourd'hui, c'est la chaleur, les épisodes de sécheresse qu'on peut avoir l'été et surtout de brûlure sur les raisins.
Autrefois, il y avait toujours un orage, de l'eau qui arrivait tous les 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, on a des périodes de sécheresse de 2 mois, 3 mois qui n'existaient pas autrefois. On a le vent d'Otan qui domine, qui souffle de plus en plus, donc qui sèche. Donc aujourd'hui, les arbres, c'est pourquoi ? C'est pour re-encadrer les vignes et redonner de la. Un microclimat, je dirais, plus tempéré, se protéger du vent d'Otan qui sèche et qui provoque des brûlures également, et se protéger également de la lumière directe du soleil, puisque aujourd'hui, on a de plus en plus de phénomènes de brûlures de raisin. Est-ce que sur les, on va dire, est-ce que vous observez, là vous avez parlé des bienfaits que peuvent apporter les haies sur les vignes qui sont proches ou dans les parcelles qui sont entourées de haies par exemple, est-ce que vous voyez des, en plus de ces bienfaits voilà, sur la vigne ou ou contre le gel, est-ce que vous voyez des changements par exemple au niveau des rendements en plus de ces bénéfices constatés? Ben, si on a moins de gel, moins de sécheresse, on a des meilleurs rendements. Forcément, ouais. C'est évident. Mais à condition égale, on va dire. Ouais. À condition égale, on a des meilleurs raisins, oui. Ouais. Tout ce qui brûle, on perd du raisin. Tout ce qui est brûlé et séché, flétri, donc on le trie au moment de l'arrondage. Donc, c'est éliminé automatiquement. Donc, ça fait moins de rendement. Cette année, les vignes non gelées, enfin, toutes les vignes non gelées sont luxuriantes. Hein. On a des vignes vraiment magnifiques, quoi. On a une verticalité, c'est magique, quoi. Donc, mais il faut se protéger. On sait qu'on est au pied du mur. On est en train de tout changer un petit peu chez nous. On faisait le pompier pendant 4-5 ans, ça fonctionnait, mais on savait qu'on faisait le pompier au niveau des sols, on minéralisait pour apporter de l'azote, pour nourrir la vigne, on fertilisait d'un côté, de l'autre côté on minéralisait pour amener au bout les raisins, en sachant qu'on allait dans le mur et qu'il fallait réagir avant d'être au mur, sur le mur, quoi, et on n'allait pas pousser le mur dans tous les cas. Donc, les rencontres avec Marceau, avec Alain, ont été des déclics aussi pour nous. Sandrine, ma femme, a fait la formation des apprentis du vivant également. C'est ce que je disais l'autre jour à Eric Schmitt. Je trouve que le fait de mettre à disposition ces informations à tout le monde, c'est vraiment génial, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça dans les écoles d'agriculture, quoi ? C'est du bon sens qui est une évidence qui est. C'est comme ça qu'on doit apprendre l'agriculture, non ? Et pas autrement, quoi. Malheureusement, moi j'ai fait des études et si on m'avait expliqué l'agriculture comme ça, on aurait fait beaucoup moins d'erreurs et on aurait avancé plus vite. Mais je crois qu'on y vient et ça avance. Alain, toi qui connais le vignoble de chez Eliane, est-ce que tu peux, depuis quand tu interviens là-bas et tu peux nous décrire les changements, les évolutions que tu as pu constater ? Déjà, on intervient toujours quand on nous demande. Je crois qu'on doit rester assez modeste, hein, dans ces projets, dans ces interventions. Elian l'a précisé, c'est un cheminement de chacun qui est important vers cette fertilité, d'accepter aussi, comme Elian l'a dit, d'accepter d'être en bio, en biodynamie. Ça ne suffit pas toujours pour avoir une agronomie dynamique. Hein. Il y a des petits ajustements. Aujourd'hui, le temps est venu de ça et les viticultures n'échappent pas à ces passages récurrents, à ces dangers, à ces chocs climatiques qui ont été très bien décrits. Donc, l'idée, c'est de faire un tour d'horizon complet, global, de ce triptyque agroécologique. Hein, on n'insistera jamais assez, des sols où la lumière ne doit pas tomber. La lumière, elle n'a rien à faire sur le sol. Elle doit passer par une plante, exceptionnellement, bien évidemment. Remettre la vigne dans son environnement, puisque la vigne est une liane qui a coévolué avec les arbres, et ça, on le sait bien, et elle a besoin. Hein. Ces champs mycorhiziens ont fondamentalement besoin de ces plantes compagnes.
on a cité, donc du coup, puisqu'on est sur Vers de Terre Production, mais on a aussi cité Marceau Bordarias, on pourrait citer Konrad Schreiber qui est passé. L'idée, c'est de travailler en équipe, chacun avec sa spécialité, et de prendre cet écosystème viticole de front, en face, et de le traiter globalement, et de le faire traiter, d'amener des pièces de puzzle. Pour moi, ce sont des pièces de puzzle agronomiques sans recette. Surtout pas la recette, Sandrine et Elian sont en train de la traduire. Je voulais juste intervenir pour dire qu'ils faisaient déjà du très bon vin. Donc, du très bon vin sur sol vivant, ça va dépoter. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, Elian, n'est-ce pas ? C'est une demande. Pas de souci. Que je veux dire aussi, voilà, le temps de ces ajustements, hein, en vigne, toute viticulture confondue, on passe 42 fois. Donc, comment on réduit ça ? Et j'aime bien ta formule parce qu'elle est honnête. Ta formule, c'est de dire on agit en pompier et on ne peut plus agir en pompier, c'est plus possible, ça ne passera plus. Hein. Du chaud, du froid, du vent, des grosses quantités de pluie. On a parlé de coulure ces derniers temps, là j'étais dans le Var et dans l'Aude, enfin bon, peu importe, ça ne passera plus. Donc l'agroécologie, elle nous parle beaucoup aussi de prévention, hein, sortir de la réparation pour se mettre en prévention. Sylvie l'a décrit dans le projet d'aménagement et c'est ça qui nous anime. Ces pièces du puzzle agronomique, elles sont à peu près comprises. Hein, elles sont à peu près très... Et c'est vrai qu'elles sont peu enseignées encore. Et bon, ben, ça va venir. Hein, il faudra que ça bouge un peu. Et Bertrand continuera de faire passer le message. Tout le monde le dit. Ces bases essentielles agronomiques, hein, on va parler de verticalité, on va parler de structure, on va parler de ration du sol, on va parler de couverture, etc. etc. C'est somme toute important. Et ce que je tiens à dire, c'est que c'est valable pour toutes les agricultures du monde. Hein, à 85%, c'est valable pour toutes les agricultures, toutes les formes d'agriculture, ici avec une plante pérenne, mais une vigne avec un sol nu et travaillé, ça s'appelle une monoculture, hein, avec souvent un bagage génétique faible sur le cépage et sur le porte-greffe. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, parce que c'est une belle histoire, c'est une histoire d'enthousiasme, d'optimisme, de coopération, et je crois que tu es bien placé parce qu'il me semble que tu es président d'une grande confrérie, n'est-ce pas, Elian, dont tu pourras peut-être dire un mot ou deux. Et en tout cas, vous avez un groupe et ce sont ces symbioses, ces coopérations. Ce que je peux dire, pour ne pas être trop technique, ce que je peux dire, c'est que cette viticulture qui va vers l'agroécologie, cette viticulture, redisons-le, elle stocke du carbone, elle produit de la biodiversité, elle produit de l'eau nouvelle, elle protège les masses d'eau, elle crée des microclimats, elle crée de l'emploi, elle crée des bons canons. Ben du coup, avant, on disait pour sauver un vigneron, buvez un canon. Maintenant, on dit pour sauver l'humanité, buvez deux canons avec des copains. Et c'est important de changer la sémantique. Hein, de ça te va, Sylvie, comme proposition de boire un canon et de produire de la biodiversité. Et voilà, et ce plan de relance, c'est de planter des haies, c'est changer ce regard. Tout n'est pas parfait. Chacun a pris conscience du chemin qui lui restait à faire. Mais ces pratiques agronomiques font converger, c'est-à-dire que dans les formations en viti, comme dans toutes les formes d'agriculture, on va trouver tous les viticulteurs, tous les vignerons, et tous vont avoir un objet qui est celui de la fécondité des sols et mettre en partage tout ce qui fonctionne et l'amplification, et parce que chacun le reconnaît aujourd'hui, l'amplification par Vers de Terre Production est un bel exemple de ces coopérations extrêmement positive qui donne plutôt de l'enthousiasme. Mais moi, c'est ce qui m'anime de voir tous ces agriculteurs retrouver de l'enthousiasme dans leur métier avec une envie déterminée et déterminante d'y aller. Voilà. Peut-être, Sylvie, c'est quoi les idées reçues, enfin, pas qu'en vigne, mais notamment en vigne, à faire tomber pour se dire que l'arbre, que la haie, c'est une grande opportunité? On entend toujours parler que la vigne a besoin d'air. C'est une culture qui est sensible aux maladies fongiques et que du coup, la vigne aime être ventilée. Et sur le principe, on est d'accord, c'est une espèce qui a besoin de vent et que du coup, la haie brise-vent va l'empêcher d'être ventilée. Et les haies qu'on va porter en bordure, en fait, une haie brise-vent n'arrête pas complètement le vent, elle le filtre, elle le ralentit. Elle limite les excès du vent. Mais elle n'empêche pas l'aération de la parcelle. Et deuxièmement, c'est aussi, en tant que tel, un filtre à maladies fongiques. Les spores des champignons sont arrêtés par les feuilles des arbres. Donc, ça permet d'avoir des cassures et une limitation de la propagation des maladies. Donc, ça, c'est une des grandes inquiétudes. Souvent, c'est au pied des arbres que vous allez avoir la tache de mildiou qui démarre, la tache d'oïdium qui démarre parce que vous avez la rosée du matin
qui met du temps à s'enlever. Donc ça aussi, il faut juste bien dire, si on plante une haie à l'est de la parcelle, il y a de l'ombre le matin. Si le mildiou et l'oïdium doivent démarrer, c'est à cet endroit-là que vous aurez rendez-vous avec l'oïdium et le mildiou. Mais c'est là où il faut observer et être vigilant. Ça demande d'observer son environnement. Donc ça, c'est dans les grandes idées reçues. Il y a effectivement d'amener de la maladie, d'amener des parasites, d'être l'hôte du ver de la grappe ou l'autre d'un certain nombre de maladies. Ça aussi, l'écosystème, il s'autorégule. Et une haie amène les prédateurs, certes, dans la haie. Alors, j'ai souvent le coutume de le dire. Vous avez la coccinelle que tout le monde aime bien parce qu'elle mange des pucerons. Mais vous avez le puceron aussi dans la haie. Vous avez la limace et le carabe qui mange la limace. Mais c'est parce que vous les avez tous les deux au printemps que l'écosystème se met en place et qu'on dit que la lutte biologique se met en place. Donc voilà, ça, ça fait partie des grandes idées préconçues sur effectivement l'impact de l'empêchement du vent, l'impact de l'ombre sur les maladies, sur les rendements. Le pied de haie, naturellement, il y a concurrence au niveau de l'azote. Donc de toute façon, les premières rangées de vignes, elles vont être impactées au niveau de l'azote. Par contre, si l'effet brise-vent est positif, le milieu de la parcelle va être moins impacté ou va avoir un goût différent. Donc, vous créez aussi de l'hétérogénéité sur votre parcelle. Donc, du coup, ça a de l'intérêt aussi. Mais disons que voilà, y a un certain nombre d'inquiétudes qui sont à faire lever, mais qui sont parfois fondées sur des choses observées. Hein. Elian, vous, la pression des ravageurs, c'est quelque chose que vous connaissez ou c'est fait oui. Ou ça, c'est... Oui, bien sûr, là, on a un petit peu de mildiou en ce moment. Hein. De toute façon, on a ramassé des girolles. Donc, on sait que quand on ramasse des girolles, on a du mildiou. Mais c'est sur feuille, donc c'est plutôt maîtrisé, je dirais. Oui, effectivement, si à l'est, si on a une haie à l'est, la rosée du matin, automatiquement, ça sera le départ des premiers foyers de mildiou. Et d'oïdium, ça, c'est sûr. Par contre, tous les équilibres de faune sont importants. Ouais. Ça, c'est primordial. La lutte insecticide est quand même quelque chose de terrible. Et si tout le vignoble pouvait éviter ça en replantant, en rééquilibrant toute cette faune, ça serait quand même une sacrée avancée. Quoi. C'est ce qui nous intoxique le plus. Quoi. Donc... Moi, mon père est mort de ça, donc j'en suis assez sensible. Il est mort d'une leucémie à cause de ses produits phytosanitaires quand j'étais adolescent. Donc, j'ai toujours fait attention et j'y suis assez sensible. Donc, oui, les équilibres. Oui, j'ai fait des semi-wolf à l'époque avec plein de plantes différentes aussi pour faire des ponts de faune, pour voir tous ces papillons, tous ces insectes, les lièvres, les faisans, tout ce que la nature peut nous apporter. Quoi. C'est beau. Bien, et c'est du bon sens, quoi. Et puis, il faut que l'agriculture retrouve son bon sens paysan, quoi. Voilà. Bio, biodynamie, ce qu'on veut, mais le bon sens paysan. L'agriculteur perd son savoir-faire. Quand on entend les anciens, la génération qui arrive à la retraite, ils avaient cette chape avec le technicien qui leur disait de faire ci ou ça. Voilà. Le technicien, j'ai fait des études, on a fait les mêmes études, donc il ne nous raconte pas de salade parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Mais je trouve qu'il y a ce lobby qui est... Voilà, l'agriculteur est devenu mouton alors qu'il avait un savoir-faire. Et j'espère que les nouvelles générations reprendront ce savoir-faire et ce savoir-observer et pour avancer... faire quelque chose de plus sain et de plus beau, surtout. Relocaliser le savoir au plus près du terrain. Oui. C'est un peu le grand message que tout le monde se dit hein, ce soir aussi. C'est important. Ouais. Et c'est la masse d'informations qui nous arrivera et qui arrivera à tous ces jeunes et à tous ces jeunes qui sont en système éducatif à l'école. C'est toute cette masse d'informations positives, intéressantes et interactive qui va faire avancer, qui va recréer, faire évoluer le savoir-faire et recréer, relancer l'histoire. Quoi. C'est important quoi, pour reprendre le savoir-faire. Et surtout en viticulture, il y a plein de vignobles qui ont perdu leur savoir-faire parce que les consultants ont le dernier mot. Et voilà, non, c'est chacun qui s'approprie les informations et qui l'applique chez lui. Quoi. C'est ça l'important, je pense.
Et oui, et donc replantons des arbres et des haies pour montrer que ça marche, que ça fonctionne, etc. Peut-être, Bertrand, est-ce que vous vouliez ajouter quelques éléments sur la mesure plantons des haies que vous n'auriez pas dit tout à l'heure ? Non, je crois que j'ai dit l'essentiel de cette mesure. Je crois que ce qu'il faut retenir, voilà, déjà, c'est l'enthousiasme des différents interlocuteurs, c'est-à-dire qu'on va dans le bon sens. Et je crois que le gouvernement, au travers du plan de relance et de cette mesure plantons des haies, mais aussi d'autres mesures visant à accélérer la transition écologique, il y a toutes les mesures qui permettent d'investir dans les agroéquipements qui sont importantes, qui permettent de faire des pas en avant aussi. Il y a toutes les mesures qui permettent de lutter contre les aléas climatiques, parce que c'est une réalité aussi que le changement climatique aujourd'hui. Donc tout ça, ça va dans un sens commun, et le sens qui a été porté aujourd'hui vers plus d'agronomie, plus d'agroécologie, une meilleure intégration de l'agriculture dans son environnement, une meilleure observation, c'est-à-dire de repositionner le territoire au centre de la production agricole. Et je crois que les dispositifs qu'on propose aujourd'hui, il faut arriver à poursuivre, à convaincre, continuer à convaincre que cela a du sens, que ça permet aussi de retrouver du bon sens paysan, comme ça a été dit. Et aujourd'hui, alors je lisais en parallèle le chat, en parallèle des différentes interventions, le chat, je vois pas mal de remarques. Effectivement, tout n'est pas encore parfait, mais je crois qu'on est aussi là dans le cadre de ce plan de relance pour améliorer les choses et pour les améliorer en continu. C'est un plan de relance qui est énormément concerté. On bâtit les dispositifs avec les différents acteurs sur le territoire régional. Et donc, si aujourd'hui, il y a des choses qui ne permettent pas d'atteindre l'objectif commun qu'on s'est fixé et qui semble partagé par tous, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous et à nous faire des propositions pour améliorer les choses. Donc, notamment même sur les questions budgétaires, je vois avec le budget consacré, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Ce n'est pas vrai, c'est déjà des dispositifs qui existaient auparavant. Il y avait des moyens qui étaient mis auparavant. Là, les moyens aujourd'hui, ils sont largement augmentés. Mais le Conseil régional viendra aussi augmenter les moyens. Les fonds européens viendront augmenter les moyens sur ces mesures-là. Donc, je dirais que s'il y a de l'envie, s'il y a de l'ambition, s'il y a des gens qui sont prêts à accompagner, à apporter leur appui, on arrivera à atteindre l'objectif. Et je crois vraiment qu'on va dans le bon sens. Et aujourd'hui, les échanges qu'on a pu avoir me confortent dans l'idée qu'on va réussir ce pari et que les haies vont être plantées dans les années à venir et que ça permettra d'aller vers une transition agroécologique certaine. Sylvie, donc là, on est sur une mesure de plan de relance. Bertrand dit qu'il va y avoir des mesures qui vont prendre le relais derrière, mais c'est quand même un sujet de se dire, bon, le plan de relance, ce ne sera pas ad vitam aeternam. Donc, vous, c'est quoi aussi vos relais sur ces sujets de plantation ? Ce qui est intéressant à noter, c'est que les actions sur les haies n'ont pas attendu effectivement un soutien de l'État français. Il y a des actions qui sont initiées dans les territoires depuis longtemps. Alors, la petite histoire, c'est que c'est l'État français qui nous avait créé en 1996. C'était l'arbre dans le paysage rural. C'était une campagne d'un an. Et de cet un an, ils ont créé un poste qui s'appelait la mission haies. Puis 25 ans plus tard, on est toujours là. Mais on a eu d'autres financeurs qui ont pris la suite. C'est pour ça qu'un plan de relance, c'est effectivement court dans le temps. Ça soutient des dynamiques, ça lance des dynamiques. Et derrière, à s'organiser à plusieurs. Donc là, c'est des financeurs. Les agences de l'eau sont très favorables aux questions de plantation de haies. Les conseils régionaux, les conseils départementaux, des communautés de communes, des communes. Vous avez des élus qui ont envie de planter des arbres, qui sont contents que les agriculteurs accueillent des arbres. Vous avez aussi des entreprises. Donc dans le monde du carbone, je pense qu'Alain complétera, mais aussi dans le monde du mécénat, où on a, moi je suis présidente du Fonds pour l'arbre, où vous avez des entreprises privées et qui se réunissent, qui disent ce sujet nous intéresse, expliquez-nous comment ça marche. On leur explique comment on réussit une haie, comment le conseil est nécessaire, comment il y a besoin de gérer l'existant aussi, comment il y a besoin aussi d'avoir des pépinières de qualité qui nous proposent des plants de qualité avec une génétique adaptée. Et là, vous avez un mécénat d'entreprise qui vient aussi compléter des financements publics. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plutôt bon espoir, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une marche montante avec des financements qui s'accentuent. La vraie question, c'est de garder la qualité, transmettre le savoir, bien accompagner les agriculteurs, pas faire des programmes à la va-vite
où on finance que la plantation, puis on ne finance pas le suivi. Donc, plutôt bien s'appuyer. Et je pense que le plan de relance va donner des bonnes bases sur des territoires où il n'y avait pas de plantation jusqu'à présent. Quand on sait faire, on continue. Mais sur des territoires nouveaux, le plan de relance arrive vraiment en bonus et en nouveauté. Sur ces territoires-là, bien partir sur cette base-là avec l'ensemble du dispositif pour donner la suite, mettre des financeurs autour de la table. On va trouver des gens qui sont favorables à l'eau, à la biodiversité, au paysage, au carbone, à l'agriculture, à la transition agroécologique. Donc, en fait, il y a plein de monde en fait, qui peut s'entendre là-dessus. Et on fait des haies chez les agriculteurs et on soutient le monde agricole. Et c'est vraiment aussi un des endroits où la société peut très facilement encourager ses agriculteurs à venir donner la main, et financièrement ou physiquement. Donc, c'est un sujet qui est intéressant et qui est au service de toutes, de tous. Hein. La haie de bord de champ, elle sert le randonneur, elle sert le chasseur, elle sert l'amoureux de la nature, elle sert l'agriculteur. Donc là, on est sur quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui, sur le plan sociétal, on est sur la performance agroécologique vraiment, performance sur le système de production agricole, performance sur le système économique, performance sur l'aspect sociétal et environnemental. Donc moi, j'ai bon espoir, je redis, privé-public, monde agricole, j'ai plutôt bon espoir que le plan de relance donne un coup de pouce pour, et que ça se prolonge sans aucune difficulté sur les territoires. Alain, il y a des entreprises du privé qui se lancent un petit peu dans ce... Oui. Dans ce sujet de l'agroforesterie. Oui, oui, bien sûr. On est encore au balbutiement, mais ça fait quelques années. Et l'idée, c'était ça. C'était, est-ce que c'est de l'argent de l'Europe, des agences de l'eau, de l'État, des collectivités, du privé aussi. Je pense que dans nos écosystèmes, il faut aller voir tout le monde. Ça existe depuis un certain temps sur une base de volontariat. L'idée, Sylvie l'a précisé, hein, ce qui est important, c'est la règle, c'est la cohérence, c'est la qualité du boulot, hein, pour qu'il y ait équité dans cette affaire-là. Je trouve que du plan de relance de cet élan, c'est une question de sémantique aussi, c'est une question de compréhension, d'ajustement. Ça veut dire qu'il y aura de nouveaux techniciens, des formations. J'ai cru comprendre qu'il y aurait des réunions, j'espère qu'elles auront lieu, et j'espère, Bertrand, on compte sur toi comme porte-parole, que l'ensemble des techniciens qui bossent sur le plan de relance puissent se réunir régulièrement, discuter des techniques. Je pense aux nouveaux, mais nous, les anciens, on apprend aussi tous les jours, on vérifie, on ajuste. De travailler avec le végétal, ça reste complexe. Hein. Faire une projection, planter les arbres qui devront être là dans 30 ans, dans 40 et voire plus, qui devront se reproduire avec le label végétal local, par exemple, pour le nommer, où il y a un travail de fond qui a été mis en œuvre. Je voulais aussi souligner une belle initiative qui sera associée au plan de relance assez vite, je crois, c'est des enfants et des arbres, créé par Marie-France Barrier, entre autres, mais avec pas mal de monde derrière, de dire le sujet, il est où? Le sujet, il est de dire, soyons fous, parce qu'aujourd'hui, il faut être fou, mais être fou, c'est être dans une normalité absolue. D'ailleurs, les enfants nous le rappellent. Soyons fous, faire par tous les enfants scolarisés de France. Je ne sais plus, je crois que c'est 11 millions. J'avoue que j'ai oublié, mais vous m'aiderez. Bon, on l'a initié en Occitanie avec le département du Gers et d'autres. On a vu que ça marchait. Non seulement ça marche, mais quoi de mieux que de retrouver chez un agriculteur une école, les enfants, les parents, les entreprises du tour de table, les collectivités, l'État, etc. Quoi de mieux que d'être ensemble, je ne sais pas, chez Cédric, j'excuse Elian qui vient de m'appeler pour me dire que ça te plaît. Il n'avait plus de batterie et qu'il était en pleine mise en bouteille. De donner cette possibilité, après, il a parlé d'autonomie d'ailleurs, hein, je crois qu'on parle de cohérence, de fertilité, d'autonomie dans cette optique de l'agroécologie, d'en faire un objet, d'en faire un sujet de société. J'ai vu les critiques dans le chat, bien évidemment. Je crois qu'il faut en faire un sujet de société et ça nous appartient. Le plan de relance, c'est l'amorce de quelque chose. Si le sujet de société, c'est de dire on veut manger les produits de l'agroécologie, la société se mobilisera et les plans suivants continueront à progresser. Dans la politique agricole commune, on n'a pas des agriculteurs qui sont de plus en plus riches aujourd'hui. On est dans une crise profonde, il faut le dire. Il est important, il y en a encore un autour de cette table, dans une difficulté de toute filière d'une agriculture qui s'enfonce vers une crise du sol. Et quand on investit 10 euros en agriculture aujourd'hui, on les voit couler dans les rivières. La Garonne, juste à côté de chez Elian, elle faisait 10 km de large au mois de janvier. C'était un torrent de boue, c'était une mer de boue. Hein. Donc cette réforme agroécologique, ce sujet de société, il nous appartient. Il appartient à ceux qui en feront quelque chose de
fort, de profond et de fécond. J'aime à rappeler que quand on va investir 10 euros dans un arbre, ça va en rapporter 100 dans 10 ans pour tout le monde. On a bien précisé les enjeux du climat, de la biodiversité, de l'eau, du sol, de l'emploi, qui sont nos, vous ouvrez un média, ce sont nos sujets du quotidien. Prévention d'investir dans du végétal, je pense que c'est le meilleur placement, c'est le meilleur sujet de société, meilleure capacité. Dans les pays de bocage, ben, l'agroforesterie du bocage, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle produit du lait de qualité, elle produit des fruits, elle produit du bois, c'est-à-dire qu'elle fait trois productions sur la même parcelle. C'est ça qui nous attend. Et c'est ce geste-là qu'il faut souligner, qu'il faut amplifier et mettre dans le débat de société. Retrouvons-nous tous pour planter ces arbres ensemble avec chez les agriculteurs. Merci Alain. Et bien, peut-être. Ce n'est pas un ordre, c'est une proposition. Et peut-être une réaction de Cédric. On se sent, avec des messages comme ça, on se sent soutenu. On sent qu'il y a on a toute la société derrière vous, peut-être. Ça vous encourage dans votre démarche? Ah, ça m'encourage dans ma démarche, oui. Bon, et c'est les belles idées, tout le monde les a, on va dire. Après, bah, il faut passer aux actes. Et derrière, et bah, c'est je vois, dans, pour l'exemple, mon village, hein, beaucoup s'enthousiasment à l'idée de replanter des arbres, de venir donner un coup de main. Bon, bah, après, il faut mettre ça en œuvre. Il faut réussir à trouver une dynamisme avec tout le monde et organiser des journées de sensibilisation, que ce soit avec les écoles, que ce soit avec les diverses associations de la... de donner la main à la pâte pour des journées de taille, de plantation, de choses comme ça. Si on sollicite les gens, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être partants pour s'initier dans ces choses-là. C'est des choses que je vais essayer de mettre en place à l'avenir et puis qui peuvent être intéressants, quoi. Et si vous aviez un conseil peut-être à donner à vos collègues agriculteurs pour en gros dépasser, on va dire, les peurs et se lancer dans un programme agroforestier? Bah, j'ai pas beaucoup de recul quand même, donc j'ai pas une expérience qui me permette de vraiment donner des très bons conseils à long terme. Je peux que leur conseiller d'être patient, parce que bon, bah, il faut pas se leurrer, c'est 2 ans de démarche, hein. Pour moi ça a été 2 ans de démarche, mais c'est ce qu'il faut aussi pour mûrir le projet tranquillement. Faut pas trop se presser, de bien implanter sa bande enherbée avant, ou alors après, ben on sait que c'est les plantes autochtones qui vont reprendre le dessus. C'est bien se faire encadrer. Et puis ben c'est quand on voit après le dynamisme qu'il y a autour et puis ce que ça peut nous apporter sur le long terme, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut laisser aussi aux générations futures. C'est une remise en cause, certes, mais je pense que si on implante notre projet intelligemment, il n'y a pas tant de contraintes que ça. Et les contraintes doivent être gérables à l'avenir. Eh bien, Sylvie, peut-être un dernier mot, et puis après, je vous proposerai de conclure cette première émission. Un dernier mot? Oui, enfin, quel est votre message d'espoir ou pour cette dynamique de l'agroforesterie? Moi, je conclurai pour remercier déjà tous les agriculteurs qui ont initié ça il y a longtemps, hein, et qui nous permettent aujourd'hui. Alors, Cédric n'a pas forcément beaucoup de références autour de lui, il démarre chez lui, donc bravo à lui, hein, ça s'appelle ceux qui démarrent et qui doivent faire la preuve par l'exemple.
On a d'autres territoires où on peut remercier les agriculteurs qui avaient planté il y a longtemps et qui nous permettent d'avoir des belles haies qui aujourd'hui sont des beaux exemples et des belles démonstrations à faire auprès des voisins et qui nous permettent d'enclencher de façon plus dynamique des plantations parce qu'on a déjà ces réalisations-là. Donc merci à tous les agriculteurs qui ont planté et à tous ces pionniers qui s'étaient lancés. Et puis surtout, merci effectivement au ministère de l'Agriculture pour effectivement cette reconnaissance agricole de l'arbre dans les systèmes de production et de donner cette belle image qui aujourd'hui permet quand même de débloquer, je pense, beaucoup d'inquiétudes. Et puis, c'est une reconnaissance sociétale, agricole de l'arbre. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un très beau signal dans nos campagnes qui va nous permettre de gagner en efficacité et du coup, de démultiplier et d'aller plus vite sur, effectivement, cette transition climatique. L'arbre, c'est vrai, ça pousse très lentement. Dans 20 ans, ce sera encore plus dur d'implanter des haies. Donc, autant les implanter aujourd'hui pour tamponner le climat dans 20 ans. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a une notion forestière à avoir en tête. Ne traînons pas trop à planter des arbres, effectivement. Eh ben, merci beaucoup à tous d'être venus. Voilà, on excuse aussi le ministre qui, au dernier moment, n'a pas pu venir pour cette première émission, mais nous a promis d'être là la prochaine fois. Donc, j'espère qu'il viendra sur cette émission et répondre à toutes les questions des agriculteurs, des agroécologistes de France et d'ailleurs. Et je vous donne rendez-vous. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, merci, on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une nouvelle émission de Canal Sol Vivant. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas aussi de soutenir Vers de Terre Production qui fait cet effort de diffusion du savoir via notre compte Tipeee, pour qu'on puisse continuer à vous diffuser largement ces connaissances, ces savoirs de l'agroécologie. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt dans les champs agroforestiers et agroécologiques. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.